Ok, d'accord. Puis là, je viens de voir que la caméra s'était arrêtée. Ok, je viens de relancer. Ok, voilà, je viens d'arriver là aux stations Total, là en 4 rive droite, là où c'est en chantier pour attraper la sortie 26. Ok, bah écoute, ça va bien. Ouais, moi je suis assez content. Il y a une bonne réception, malgré toute la quantité de QRM que je peux avoir en QRA. Et bah écoute, la qualité d'écoute est plutôt agréable, hein. C'est pas mal. Donc, ouais, je suis assez content pour un petit truc. Je sais pas si tu vois ce que c'est un petit Midland 40 canaux, 4 fois de rang tout bête AM uniquement. C'est le modèle 77-099. Alors, c'est vraiment le plus basique qui existe. Mais écoute, voilà, je suis content, ça marche bien. Et tant mieux, voilà. J'ai entendu un petit peu Yankee là sur la fin, vraiment un tout petit peu, mais sinon c'était indécodable, hein, voilà. Très très compliqué, hein. Par contre, ouais, bah, ça passe nickel, hein. Bon, après, on n'est plus très très loin, là, hein, forcément. Ah bah oui, parce que là, je suis en haut, là, au niveau des feux. Alors, je sais pas à quel moment la caméra s'est coupée. Bon, c'est pas grave, je rectifierai ça au montage. Je referai, parce que là, j'ai celle de la route, là, qui, elle, a continué, hein. Bon, j'ai fait une brève petite coupure pour relancer aussitôt et relancer la caméra du poste. Et là, tu verras dans la vidéo que là, la modulation est vraiment propre, hein, sur ce poste. Hein. C'est... Oh, ouais, il a... De ce côté-là, il n'a rien envie à d'autres postes. Loin de là. Hein. Et oui, je vois très bien ce que c'est. Le dernier coup qu'on avait fait, que j'avais fait Marraine, le salon radio de Marraine, j'en avais vendu là tout un carton là, de ces petits postes. Voilà, pour garder les autres QRA qui sont plus gros. Ah oui, tiens, à propos de Marraine, cette année c'est reparti. On refait le salon de Marraine. Donc c'est le dernier samedi de juillet. Ça doit être le samedi 30, si je me trompe pas. J'ai pas de calendrier sous les yeux, mais il me semble que c'est le samedi 30 juillet. Ah bah, je serais bien content d'aller y faire un tour, écoute. Hein. C'est sympa, la Radio Brock, samedi, là, ça permet de retrouver du matériel, etc. J'ai acheté plein de trucs. Enfin, plein de trucs, ouais, ici, du matériel un peu. Puis je suis tombé sur un petit hôte civil, là. En fait, c'est un président Valéry qui a attiré mon attention. Ça fait longtemps que je voulais m'en trouver un. Et là, il y en avait un, donc bah, j'ai acheté. Puis c'était 5 euros le poste. Et sinon, il faisait le lot à 20 euros. Alors le lot, t'avais un Valéry, t'avais 4 Midland, là, comme j'ai dans les mains. Non, pas 4, 3, faut pas exagérer, 3 Midland comme j'ai dans les mains. Et puis un président Jimmy aussi. Et un autre président François même. Donc tu vois, le lot était intéressant pour 20 balles, donc j'ai dit, bah, je prends l'ensemble. Et puis, ça servira pour bricoler, que ça marche ou ça marche pas, ce sera marrant d'essayer, voilà. Puis, bah, écoute, à peu près tous les postes marchent sans aucun souci, donc je suis content. Voilà. Et bah, écoute, peut-être que j'aurai l'occasion d'aller à Marraine, je sais pas, c'est un peu loin là, mais en tout cas, si j'ai l'occasion d'y aller, bien sûr, je vais y aller avec plaisir, hein, carrément. Et j'espère bien y faire des petites affaires comme ça, voilà. C'est sympa de tomber sur un petit lot comme ça pour bricoler, s'amuser à restaurer, tout ça, essayer de comprendre comment ça marche, voilà quoi. C'est bien, c'est le plaisir de la radio, quoi. Ah oui, affirmatif, d'autant plus qu'on sera la même équipe. Et en avant-première, à trois coups, je peux déjà te dire qu'il y aura du matériel radio amateur à vendre via Daniel Senteur. Voilà, puisque lui fait partie d'un radio club radio amateur. Et donc, dans le chargement, il ramènera ça en vente, qu'il mettra en vente sur le stand. Ah ok, mais je savais pas que Daniel était indicatifé. Pas encore. Il prend des cours. Voilà, il prend des cours, mais bon, il est bien motivé. Donc, motivé comme il est, je le sens très bien. Ah bah super, mais c'est cool pour lui. Hein. C'est cool pour lui. En plus, je crois que les canons qui m'ont dit ça ce week-end, au niveau de la licence, ils ont encore allégé le truc. Maintenant, t'as plus l'histoire de points négatifs. Alors, j'ai pas vérifié, mais d'après lui, t'as plus de points négatifs quand tu réponds mal à une question. Donc, ça commence à devenir presque facile et c'est une envie de le tenter, quoi. Oh, toi, t'es sûr de l'avoir ou la main, hein.
Ah oui, je dirais que tu as déjà le niveau, toi, pour l'avoir. Hein. C'est toi, qu'est-ce qui te reste, la partie législation, et puis c'est tout. Hein. C'est pour le reste, tu es déjà au top hein, de ce côté-là. Ah oui, largement, oui. Ouais, quand même. Mais si toi, tu n'y arrives pas, personne n'y arrivera. Hein. Et pour la licence, je dirais qu'il ne faudrait pas trop qu'elle soit trop facile non plus. Parce que, bon, le radio amateur, je dirais que c'est déjà une élite. Et il faudrait que ça le reste, une élite. Donc, pas à la portée de n'importe qui. Pas trop facile non plus, quand même. C'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais écoute, après, c'est un choix. C'est-à-dire que pour avoir quand même du monde, il faut démocratiser un petit peu le truc. Et après, faut pas trop démocratiser, sinon, t'as du tout le nom. Et voilà. Il y a déjà assez d'ordinateurs qui s'engueulent comme ça, si c'est pour effectivement se retrouver avec. Avec ce genre de choses qu'on peut entendre des fois sur le rond, c'est un peu bruyant. Enfin bon, de toute façon, c'est comme ça s'engueule partout, hein, sur toutes les communautés radio, il y a toujours des frictions à un moment donné, justifiées ou non, on trouve pas un autre problème. Vous voyez que c'est intéressant, mais tout ça, je vois un peu. Ouais, j'ai cru que j'allais te perdre à un moment donné parce que je viens de passer le trou de la poste. Donc là, je suis en train de remonter et c'est passé limite, mais c'est passé quand même. Et ouais, là, pour revenir à ce que je disais au niveau radio amateur, en disant le niveau radio amateur, bon, c'est quand même une élite. Bon, certains, ça va peut-être les faire sourire, ils vont peut-être se dire que c'est un peu exagéré. Mais bon, quand on regarde de plus près le genre de personnes qu'il y a avec les radios amateurs, on trouve quand même des médecins, des émirats arabes, des présidents, des rois. Il y a quand même des gens comme ça qui côtoient qui sont aussi radios amateurs. Alors imagine si la licence radio amateur était vraiment trop facile chez nous en France. Ça serait mélangé pour le coup des gens qui, comme moi qui comprennent pas grand chose justement en technique et tout ce qui s'ensuit avec des gens de la haute société quand même comme ça. Je sens quelque part comme un choc on va dire dans ce mélange qui pourrait bien faire des étincelles. Et d'écouter pour le coup des radios amateurs qui sont assez pointues. Pour le fait que ce soit trop facile, non, franchement, perso, j'aurais envie de dire que je suis contre. Bon, c'est que mon avis maintenant, hein, c'est sûr, c'est que mon avis. Mais ouais, il faudrait pas que ça devienne trop facile. Ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Écoute, juste de passer à l'instant la station essence totale juste avant la sortie vers Izon. Voilà pour te donner une idée là où je suis. C'est vrai que là je t'entends encore, mais
bon, faudrait pas qu'il y ait une montée de cuillère, hein, parce que ça serait foutu. Ok, merci pour ce QSO, les 20 sur presse 51 à toi, et bravo pour le poste. Là, il marche bien celui-ci. Ah oui, merci, bye, bonne fin de journée à toi, à plus. Bye bye, pile à la sortie, ils ont. A plus. Thank you.